Dans les gouvernants secrets 2, nous avons vu comment une espèce extraterrestre inamicale, c'est le moins qu'on puisse dire, exerce un contrôle sur nous, les humains. Il y a aussi un autre problème. Nous avons conscience que au moins deux espèces extraterrestres sont en conflit sur notre monde. Alors, nous ne savons pas trop sur quel pied danser. Nous allons en savoir un peu plus. Et à travers nos enquêtes, nous finirons par comprendre quelle attitude nous devons adopter. Les contacts peuvent être uniquement visuels. Nous allons nous rendre à Genève, ville internationale par excellence, pour y rencontrer mon confrère et ami ufologue Rolf Vollmer, qui lui va nous parler d'un cas très étrange sur lequel il a personnellement enquêté. Rolf Vollmer, tu es à la tête d'un groupe qui s'appelle FEMIS. Alors nous avons ce groupe ici à Genève depuis plus d'une vingtaine d'années. Nous étudions tous les phénomènes mystérieux qui peuvent exister. Nous ne nous cantonnons pas seulement aux ovnis. Tu as fait une observation qu'on peut qualifier d'époustouflante. Ça s'est passé quand ? Alors, c'était le 6 septembre 1987. À 10h30 du soir, une femme m'appelle par le téléphone et me dit « Écoutez, monsieur, j'ai vu une chose extraordinaire, vous n'allez pas me croire. J'ai vu un être humain qui volait en-dessus de ma maison. » Je dis bien « D'accord, madame, je reste toujours prudent étant donné que nous sommes des scientifiques et que nous ne plongeons pas avec... grand enthousiasme dans une affaire avant de bien étudier le cas. Alors, je pose quelques questions à cette femme et elle m'explique qu'elle a vu une sorte de triangle qui passait dans le ciel, une ombre. Puis, au bout de quelques minutes, une ombre qui passe beaucoup plus bas, en dessus de la terrasse où elle mangeait au sommet d'un immeuble. Elle lève les yeux pour voir quelle était cette ombre qui attirait sa vue. Elle voit en face, en-dessus du toit de l'immeuble, quelque chose qui tourne et qui s'arrête à une petite distance en-dessus du toit. C'était curieux, elle regarde, elle se dit « mais une chauve-souris ». Mais c'était énorme et ça s'est vraiment arrêté. La chose étrange s'est comme redressée. Donc au lieu d'être horizontal, le corps s'est mis debout. Elle a vu une forme de tête, des ailes avec comme des coudes relevés, ça redescendait, et à dessous, il y avait un corps. La chose a battu trois fois des ailes. Elle a eu une telle peur qu'elle a filé dans son appartement et a tout fermé. Puis elle a essayé de regarder encore une fois, et la chose n'était plus là. J'ai téléphoné à un ami pour qu'il vienne faire avec moi une observation. Et nous sommes allés deux jours après chez cette dame sur le toit de son immeuble. Arrive 11h moins le quart. Soudain, la femme qui était assise sur le gravier de l'immeuble en face de nous a pris ses bras comme ça, s'est recroquevillée et dans un espèce de sentiment de terreur a dit « ça y est, je le sens, il est là ». Bien nous, avec notre mentalité scientifique, on observe sans aucun préjugé. On lève les yeux, on cherche, et elle aussi cherche dans le ciel, et hop, elle nous dit « il est là ». Et on voit effectivement une forme triangulaire avec les pointes arrondies. Cette chose se tenait à une certaine distance de nous, on pourrait dire 300-400 mètres.
Elle a passé pendant 4 secondes environ, a été visible. Une heure après, tout d'un coup, elle se remet comme ça, elle dit, ça y est, je le sens, il est de nouveau là. Alors, on regarde le ciel, elle regarde le ciel, mais elle regarde dans l'autre sens. À ce moment, je vois, et mon collègue aussi, une sorte de triangle noir qui volait dans le sens contraire. Mais c'était un triangle en forme de V. Sur ce V, il y avait 7 taches blanches qui avaient l'air d'être des hublots. Nous avons commencé à faire une étude. Pour quelle raison cette chose était visible qu'à cet endroit du ciel et pas là derrière ou ailleurs? Alors on s'est rendu compte que depuis la cathédrale Saint-Pierre de Genève, il y a des immenses projecteurs qui éclairent le ciel dans différentes directions pour éclairer la cathédrale. On a pris tout un matériel, malheureusement, comme cette chose se voit pendant un très court instant, il n'est pas possible de le voir et puis encore de faire une photo, parce que c'est trop tard, 3-4 secondes. Nous venons de le voir avec cette enquête de Roald Vollmer, cette dame qui a éprouvé une inquiétude et des frissons. Je pense que ce n'est pas parce qu'elle avait froid, c'est parce qu'il y a eu un influx psychique, un contact, une injonction peut-être, qui a déclenché chez elle cette réaction épidermique. Simple contact visuel aussi, bon, on dit c'est dépassé, non, il vaut mieux. Il faut savoir aussi que si les extraterrestres se montrent, c'est qu'ils le veulent bien, c'est pas dû au hasard. Il faut une mention spéciale pour un ouvrage tout à fait remarquable, celui de Jean-Gabriel Grelet, du commandant Jean-Gabriel Grelet, et un pour titre « Objet volant non identifié, un pilote de ligne parle » chez Guy Trédaniel. Vous ne serez pas déçus. Nous allons nous rendre au Nouveau-Mexique pour y rencontrer des personnes comme vous et moi, qui, elles, à l'évidence, ont été choisies et n'ont pas été contactées au hasard. Je me suis réveillé. J'étais couché sur mon côté droit et je ne pouvais pas bouger. J'ai pu bouger un tout petit peu ma tête. Et j'ai pu voir au-dessus de mon épaule droite ces 3 silhouettes blanches. Elles étaient debout à côté de mon lit avec leurs bras tendus. Elles étaient à côté de mon corps mais ne le touchaient pas. J'ai eu très peur à ce moment-là. Je ne pouvais pas crier. J'ai essayé, mais je ne pouvais pas bouger. J'ai regardé ces êtres quelques secondes, mais je n'ai pas pu les voir clairement car je n'avais pas mes lunettes sur moi. Ces 3 silhouettes n'étaient pas si hautes que ça, puisque je ne regardais pas vers le haut pour les voir, mais juste sur le côté alors que j'étais couché. Il m'est apparu qu'elles avaient de grands bras, mais je n'ai pas vu de doigts ou de choses comme ça. Ça m'est arrivé entre le printemps et l'été de 1987. Au même moment, mes points d'intérêt ont commencé à changer. Je suis devenu plus intéressé par la nature, apprendre comment survivre. J'ai voulu apprendre les arts martiaux. Et j'ai commencé à lire tout, absolument tout ce que je pouvais. Cela m'a permis de me pencher sur les ovnis plus sérieusement. Nous venons de voir ces contacts peuvent changer la vie de ceux qui en ont bénéficié. Peter Lemon, lui, nous a expliqué qu'il était convaincu de la réalité des extraterrestres, c'est évident. Mais aussi que l'influence qu'il a subie a fait de lui, sinon un ambassadeur, du moins un propagandiste de la réalité objective des extraterrestres et de leurs engins qui nous visitent. Pour nous convaincre aussi, il faut écouter cette jeune femme, Gail. Dans cette ville de Boquete, Gail reçut plusieurs fois la visite nocturne d'extraterrestres. Mais ces visites intempestives
lui faisait craindre de perdre l'esprit. J'ai vu ces trois êtres ou extraterrestres devant mon lit. Je n'avais aucune idée de ce qu'ils étaient et ils me regardaient. Ils avaient de très grands yeux en forme d'amande, des yeux très noirs. Je ne pourrais pas dire s'ils avaient un uniforme ou si c'était leur peau. Mais c'était d'une texture blanche argentée. Cette fois-ci, j'étais à nouveau dans mon salon. J'ai dit « Ok ». Je ne vais même pas leur laisser une chance de communiquer avec moi. Je leur ai dit « Vous êtes en train de me rendre folle. Vous m'avez envoyé chez un psychologue. Je ne peux plus dormir et je ne veux pas de vous ici. Je suis en train de devenir folle. Alors vous n'avez qu'à me donner une preuve que vous êtes vraiment ici. » Alors celui du milieu m'a dit qu'à 2 semaines de ce jour, il y aurait une mutilation de bétail dans le nord de cet état. Et ce serait alors ma preuve. Dans 2 semaines, à partir de ce jour. J'ai dit OK, et ils ont comme parlé entre eux. Et la chose suivante dont je me rappelle, c'est que je suis retournée dans le lit, j'ai commencé à rêver, et le lendemain, je me suis réveillée, j'ai pensé « Oh mon Dieu !» Je ne pouvais pas croire qu'ils soient revenus. Donc j'ai appelé ma mère, j'ai appelé le psychologue, j'ai aussi appelé mes bons amis. Je ne crois pas qu'ils aient vraiment cru que quelque chose allait arriver dans 2 semaines. Donc j'ai dit, marquez sur vos calendriers, et on verra si ça arrive. 2 semaines, jour pour jour, première page d'un journal. Vache mutilée à Dulce, au Nouveau-Mexique. C'est dans la partie nord de l'État. Je n'arrivais pas à y croire. J'ai pensé, oh mon Dieu. Ma mère m'a appelée et m'a dit, Gail, tu as vu le journal? Et j'ai répondu, oui. Je suis descendue et je l'ai acheté. Elle m'a alors dit, et moi qui pensais que tu étais folle, alors ils sont vraiment venus te voir. C'était la preuve qu'ils étaient vraiment là et que je ne perdais pas l'esprit. J'ai appelé une bonne amie, employée de banque, qui s'appelait Diane, et lui ai demandé si elle avait vu le journal aujourd'hui. Elle m'a répondu, « Ah non, qu'est-ce qu'il y a dans le journal ?» Elle avait complètement oublié. Je lui ai dit, « Regarde ton calendrier. » Elle a regardé. « Oh, c'est aujourd'hui !» J'ai dit, « Oui, va acheter le journal et rappelle-moi. » Il n'y a pas eu 5 minutes avant qu'elle me rappelle et qu'elle me dise, « Gail, nous ne sommes plus amis. Je ne veux plus rien avoir à faire avec toi. » La réaction de cette jeune femme est quand même aberrante. Elle refuse de voir désormais son amie qui, elle, témoigne de ce qu'elle a vu. De tels revirements, de telles situations confuses expliquent pourquoi les extraterrestres ont besoin de se montrer, de parader un peu, d'insister pour multiplier les témoignages et multiplier la répartition de ces témoignages dans les diverses couches de la population. Aux États-Unis, à Richmond, en Virginie, nous sommes rendus au congrès du MUFON. Le MUFON, ça veut dire Mutual UFO Network. C'est-à-dire, on peut traduire ça par réseau mutuel concernant les ovnis. Dans le cadre de ces rencontres du MUFON, nous avons eu un contact avec Giles Hamilton, qui a publié un ouvrage. Il souligne, et il a raison, que les contacts ne se font pas nécessairement toujours entre des extraterrestres et des gens de tous les jours. Il est question d'une rencontre avec une personnalité considérable, puisqu'il s'agit d'un pape. Alors, je voudrais attirer votre attention, quand vous allez voir tout à l'heure apparaître sur l'écran Giles Hamilton, remarquez, il a un bolo. Son bolo représente une tête stylisée de gris, de short grays. Alors, sachez aussi qu'aux États-Unis, c'est rentré dans les mœurs. Tout le monde parle des gris. Ils apparaissent sur les t-shirts, sur des autocollants, sur des sortes de pins, sur des porte-clés, sur des sacs. C'est une invasion beaucoup plus pacifique que celle de leur base. Mais écoutons Giles Hamilton.
Je crois, d'après les informations que j'ai, qu'ils viennent pour nous aider et nous sauver. Et le pape Jean XXIII s'est supposé être dans son journal, aurait prédit qu'ils atterriraient. J'ai oublié la date exacte. En 1995, ce qui n'est pas si éloigné. Je crois que c'est en juin. On peut me corriger si je me trompe, mais je pense que c'est le 6 juin 1995. Ils commenceront à atterrir et à nous aider. Ils arrêteront tout ce qu'il y a de mauvais ici sur notre planète Terre. Les extraterrestres ne se contentent pas de parader, de nous montrer leur présence. Ils nous délivrent aussi des messages. La plupart, il faut le dire, des messages inquiétants sur l'avenir de notre monde, on le sait. Des messages relatant des images de destruction, mais aussi de renouveau. Il y a quand même une notion d'espoir. Et Peter et Gale, eux aussi, n'ont pas échappé à cette expérience de messages venus d'ailleurs. J'ai commencé à avoir le sentiment que quelque chose allait arriver. Quelque chose de mauvais allait arriver, mais ce qui en ressortirait serait quelque chose de vraiment très beau. Je ne suis pas très sûr de ce que leur plan est. J'aimerais le savoir. Mais j'ai eu quelques rêves avec ces êtres. Vous savez, les typiques gris d'1,20 m avec les grands yeux. Et notamment dans un rêve, j'ai essayé de marcher derrière eux pour frapper la tête de l'un d'entre eux avec un marteau. Et alors je me suis réveillé, paralysé, dans mon lit. Donc, dans un certain sens, je suis hostile envers eux. Et je ne suis pas vraiment sûr de leurs intentions nous concernant. Et quand ils vous parlent, c'est comme si c'était programmé. Mais leurs lèvres ne bougeaient pas. Avec eux, c'était uniquement de la communication télépathique. Il y en avait trois. Et j'ai senti que c'était celui du milieu qui faisait toute la communication. Les deux autres, je ne savais pas ce qu'ils faisaient, à part peut-être protéger celui du milieu. Ils m'ont dit des tas de choses. Ils m'ont dit que la Lune, notre Lune, a été placée là pour l'aventure humaine et pour acquérir un meilleur savoir dans le domaine des voyages dans l'espace. De plus, ils ont une base là-haut, depuis des années et des années. Ils m'ont dit que je me devais de penser à eux comme à des ancêtres, d'une certaine façon. Ils m'ont dit qu'ils nous avaient mis ici sur la Terre pour progresser et prospérer. Il y a quelqu'un qui m'a fait faire une régression hypnotique ici, à Albuquerque. C'était il y a 6 ans. Au cours de cette régression, il a été évident que j'avais été emmenée dans un vaisseau. Cela car je me suis rappelée avoir regardé vers le bas, en direction de notre planète, et j'ai pu voir des sortes d'explosions dessus. Et puis il y a eu comme si un rideau la recouvrait. Mais le rideau s'en va, et c'est splendide à nouveau. C'est une planète magnifique, sans pollution. Nous avons peut-être une certaine réticence à admettre ces extraterrestres un peu paternalistes qui ont guidé nos premiers pas. Moi, ça ne me choque pas. Il y a déjà longtemps, quand j'écrivais Les soucoupes volantes bien dans l'autre monde, que dans le documentaire, j'ai abordé les domaines de l'histoire très, très ancienne. Dans la proto-histoire, il en est question. Ils étaient paternalistes, c'est vrai. Il y a eu des problèmes également graves d'hostilité entre des espèces qui se trouvaient sur la Terre. Je crois que c'était probablement pour notre bien. Ce guidage continue de nos jours. D'ailleurs, dans les gouvernants secrets 1, nous avons présenté les messages à caractère scientifique des Oumites. Mais dans certains cas,
Les extraterrestres utilisent la télépathie pour nous transmettre leur savoir. Robin Andrews Quayle et Carol Dennis travaillent sur ce phénomène étonnant. Il s'agit de personnes qui ont des contacts avec les extraterrestres. Le plus souvent, cela commence lorsqu'ils sont de jeunes enfants. Ils ont un contact, et très souvent, après ce contact, leur QI se développe et parfois il double. Parfois même, le QI est tellement élevé qu'il ne peut même pas être mesuré. Puis au fur et à mesure qu'ils grandissent, ces gens obtiennent des informations très avancées, d'un très haut niveau technique, des informations sur les nouvelles énergies ou sur l'énergie libre. Toutes sortes de technologies qui vont nous révolutionner. La colorologie est l'étude de la science des couleurs, c'est-à-dire la façon dont vous réagissez aux couleurs physiquement et émotivement. J'ai reçu ces informations par la communication télépathique en 1987. Ce que je fais, c'est qu'à partir d'une approche scientifique simplifiée, je vous aide à comprendre la science qu'il y a derrière votre manière d'agir, et alors vous pouvez pratiquement l'appliquer à votre vie. Vous voyez, Carol est elle-même l'une de ces personnes, prodiges, contactées télépathiquement. Ces gens ont parfois la sensation qu'ils sont investis d'une mission pour aider la planète dans ces temps de difficultés que nous avons l'air de tous connaître. À Genève, nous avons rencontré Rauni Leena Luukkonen-Kilde, qui fut ministre de la Santé en Laponie. Elle aussi, après avoir été contactée, s'est sentie chargée d'une mission. Tout a commencé en 1985 lors d'une conférence sur la parapsychologie. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai rencontré un docteur qui prétendait voyager en OVNI. J'ai dit « Je ne peux pas vous croire ». Alors je l'ai défié. « Si c'est vrai, emmenez-moi avec vous. Après tout, je suis l'une de vos collègues. » Il m'a demandé où je vivais et je lui ai répondu que je vivais en Laponie, dans le cercle arctique, en Finlande, et qu'il y avait un endroit parfait pour atterrir à côté de ma maison, que les Laponais n'ont jamais rien vu. Et donc, ils ne seront pas surpris. Il m'a répondu qu'il devait demander la permission. 2 mois passent et j'étais en train de lire un livre avec une amie dont le titre était « Premier contact ». Je lisais un petit poème et en regardant par la fenêtre, j'ai vu à une centaine de mètres de nous un ovni qui planait à une centaine de mètres de hauteur. Ce qui m'a le plus surpris, c'est que toutes les deux, nous avons complètement paniqué. Une panique totalement hystérique. Je me rendais compte que j'étais confrontée à des dimensions que je ne maîtrisais pas. Tout ce que j'ai pu dire, c'est « s'il vous plaît, ne venez pas ». C'est resté immobile une quinzaine de minutes et il est parti en s'envolant. Bien sûr, on a expliqué ça comme tout le monde. C'était la lune ou quelque chose comme ça. Le lendemain matin, j'ai lu les journaux Lapon. Une centaine de personnes avaient vu cet ovni ou une lumière. Des jours ont passé et les forces aériennes de la Laponie ont dit qu'il s'agissait d'une fusée soviétique. Fusée qui serait restée 15 minutes en face de moi pour me dire « hello » et qui aurait ensuite continué. Alors j'ai su que c'était un ovni, mais je ne savais pas que cette fois-ci j'avais été enlevée. C'est apparu 3 ans plus tard, quand j'ai été hypnotisée. Ça a été une surprise complète pour moi et c'est pourquoi je sais qu'il y a beaucoup de contactés qui ont été enlevés et qui ne le savent pas. Rauni, pouvez-vous nous raconter votre étrange accident ? Oui, j'ai eu d'incroyables expériences où les extraterrestres ont sauvé ma vie 3 fois. Une fois en 1985, je conduisais ma voiture et j'ai été percutée par un car. Ma voiture était complètement brisée et moi de même. Après une demi-heure d'inconscience, j'ai ouvert les yeux et j'ai vu une petite entité, une sorte de silhouette brune. Je ne pouvais pas dire qu'il s'agissait d'un mâle ou d'une femelle. Elle me faisait des mouvements de guérison au-dessus de mon foie. Et après, j'ai découvert que mon foie saignait, que j'avais été touchée durement. Personne d'autre ne l'a vu. J'ai cru au départ que c'était quelqu'un, mais on m'a dit non, il n'y a personne d'autre quand j'ai demandé qu'on l'emmène dans l'ambulance. Une autre fois, je conduisais seule une voiture en Laponie, quand un élan a sauté depuis la forêt en direction de ma voiture. J'ai alors pensé « c'est la mort ».
Un mur invisible est venu entre l'élan et moi et a rejeté avec force l'élan en arrière dans les airs de 4 ou 5 mètres, ce qui est à nouveau impossible d'après les lois physiques. La troisième fois, je n'avais pas l'habitude de conduire une moto. Alors j'ai poussé les gaz à fond et je suis partie dans les airs. J'ai commencé à tomber sur l'asphalte et bien entendu, la moto redescendait droit sur mon thorax et j'ai pensé, ça y est. Elle s'est arrêtée dans les airs, a fait un tournant à 90 degrés et s'est écrasée à côté de moi. Donc, on m'a sauvé la vie trois fois d'une mort certaine. Rani Lou Kanan, de par ses expériences vécues, tout à fait étonnantes, reconnaissons-le, est devenue l'ambassadrice ou une ambassadrice de ces extraterrestres. Ses conférences à travers le monde et les nombreux articles de presse qui lui sont consacrés démontre son évidente détermination. Nous l'avons vu œuvrer, nous l'avons vu parler avec beaucoup de conviction, de facilité, d'éloquence et de sérieux dans cette immense salle à Genève où elle avait été invitée par Renata Berner, qui est la cheville ouvrière d'une association œuvrant dans le domaine philosophique spiritualiste. Et elle nous a délivré également le message de ces êtres avec lesquels elle a été souvent en contact. Messager des étoiles m'a été dicté par un groupe d'extraterrestres et je l'ai écrit en 37 heures. Et cela explique nos relations depuis cette planète, avec les autres galaxies, pourquoi ils font des manipulations génétiques, qu'est-ce que c'est qu'un être humain. Cela explique aussi le fait que nous soyons des personnalités multidimensionnelles. Nous vivons simultanément dans différentes dimensions. Bien sûr, cela va au-delà de la compréhension d'une personne normale. Les gens ne savent pas qu'on n'utilise que 10% des capacités de notre cerveau. Et on ne sait pas non plus que plus de 80% de notre cerveau est fait d'eau. Et les gens ne savent pas non plus qu'on ne connaît que 1% de l'univers. Et avec ces toutes petites capacités, on essaie de comprendre l'univers tout entier. Mais on le comprend un petit peu et on s'ouvre à d'autres réalités. Et c'est le bon moment. Je suppose que vous avez une mission. Je pense que tout individu sur cette planète a une mission. Et ma mission est de dire que nous ne sommes pas seuls dans l'univers et que la mort n'existe pas. En ce qui concerne les manipulations génétiques, est-ce qu'elles sont accomplies avec la permission des êtres humains ? Absolument. Je suis un docteur en médecine et j'ai été le sujet de ces manipulations génétiques comme toute autre personne qui a été enlevée. C'est pour notre bien. C'est comme amener un enfant chez le docteur. L'enfant ne sait pas qu'il est malade, mais les parents savent qu'il doit être opéré pour l'aider. Si vous ne vous concentrez que sur les examens médicaux, alors vous vous concentrez sur quelque chose qui n'est que de la peur et du négatif. Vous devez aussi vous rappeler tout ce qui se passe dans un scénario d'enlèvement. Vous avez toujours donné votre permission, mais vous l'avez donnée soit dans un rêve, soit dans une sortie de votre corps, soit même avant votre naissance. Vous vous rendez compte que l'on fait partie d'un plan gigantesque pour faire évoluer la race humaine. En ce moment, ils sont en train de changer notre chaîne ADN, tout comme ils l'ont fait pour l'homme de Néandertal et l'homme de Cro-Magnon. Vous savez, ceux-ci ont tout simplement disparu. Ça a été une étape décisive. Et ils ont disparu en tant que race. Et notre race est arrivée. Nous faisons la même chose. Nous sommes en train de disparaître car nous sommes assez agressifs pour tuer notre propre race. Donc, ils veulent une espèce qui serait moins agressive, qui pourrait, je dirais, exprimer plus d'amour. Et je pense que c'est une très bonne chose. J'ai entendu parler de toutes ces histoires concernant les bases souterraines américaines. Je ne suis pas très au courant de celles-ci, mais j'ai fait de l'hypnose sur des gens. Et j'ai des amis qui ont eu des rencontres rapprochées, même parfois moins de 10 mètres. Ils ont vu l'OVNI et leurs occupants. Et sous hypnose, il apparaît qu'ils ont été emmenés dans des bases souterraines. Mais ils ont vécu cela de façon positive, et pas négativement, comme le dit la propagande américaine. Il y a sur notre planète des braves gens et des canailles.
dans l'espace, il y a aussi des êtres bons et des êtres moins bons. Êtes-vous certaine que vos multiples rencontres se firent avec des personnes ayant de bonnes intentions ? J'en suis absolument sûre, car votre propre énergie attire ce que vous envoyez. Si je suis négative, je vais recevoir du négatif. Si je suis positive, je recevrai du positif. Et toutes mes expériences personnelles sont positives. Et je pense que les gens font beaucoup d'erreurs quand ils vivent négativement une rencontre rapprochée. Car en fait, il s'agit de leur propre peur. On les voit comme des monstres car ils ont l'air différents, et nous n'aimons pas tout ce qui est différent. Nous ne pouvons pas comprendre qu'un extraterrestre qui a l'air aussi différent qu'un animal est en fait un être qui est beaucoup plus intelligent que nous le sommes. Que c'est un être qui est beaucoup plus moral que nous le sommes. C'est un être qui a plus d'amour que nous n'en avons. On ne fait attention qu'à l'extérieur et c'est cela qu'il faut changer. Il faut que l'on se concentre sur l'énergie, sur l'âme. Et quand on fera ça, on ne verra plus le corps, la manifestation. Nous avons à apprendre. Nous sommes une espèce très très primitive dans l'univers, malheureusement. Mais on apprend, on est comme les enfants. On est au jardin d'enfants. Arnie Lukanen est sincère, c'est sûr. De même que nous sommes sûrs qu'il existe des extraterrestres positifs, ceux qu'elle a rencontrés. Cependant, il existe aussi des extraterrestres négatifs, les gris par exemple. Rowney nous dit que si nous avons avec eux des épreuves, c'est pour notre bien, pour qu'on évolue. Je n'y crois pas du tout. Je crois à tout ce qu'a dit Rowney. Elle l'a vécu. C'est son expérience, c'est une expérience. Mais les gris, c'est autre chose. Et je crois qu'il faut être prudent. Il existe des bons. Il existe des mauvais, comme sur la Terre, il y a de braves gens, et puis il y a des canailles. Alors, soyons prudents. Et nous allons écouter Vladimir Zizki, que nous avons rencontré aux États-Unis, au Congrès du MUFON, à Richmond, en Virginie, qui lui va nous parler, entre autres, des Illuminati. Nous, en Europe, nous disons les Illuminés de Bavière, une société secrète, au moins discrète, fondée au XVIIIe siècle, donc en Europe. Les historiens des sociétés initiatiques ou secrètes, du moins certains d'entre eux, semblent vouloir minimiser l'importance de ces Illuminati, qui ne sont pas très clairs. Je pourrais même dire, semble-t-il, que derrière eux, il y a quelque chose d'extrêmement sombre, pour ne pas dire noir. Alors, écoutons Vladimir Tersitsky. J'ai une formation d'ingénieur et de physicien. J'ai une licence de physique et une maîtrise d'électronique de l'université de Tokai à Tokyo. J'ai été fasciné par les engins volants et l'antigravitation. Et de là, je me suis intéressé aux ovnis. Il y a des rumeurs persistantes selon lesquelles le sous-marin Nautilus, décrit par Jules Verne, serait un projet secret des Illuminati. Ça aurait été le premier engin sous-marin qui aurait utilisé un système de propulsion très avancé. Il y a des rapports selon lesquels les aéronefs fantômes des États-Unis au 16e, 17e et 18e seraient les premières expériences de navigation aérienne des Illuminati. C'étaient des dirigeables. Des dirigeables combinant l'antigravité ou l'énergie nucléaire ou l'énergie libre. Vous croyez qu'ils ont obtenu une formation technique de la part des extraterrestres ? Mon impression est la suivante. À la façon dont je conçois l'administration de l'univers, et comment les espèces avancées aident et éduquent les espèces inférieures, c'est-à-dire les civilisations qui sont derrière eux dans l'évolution, est que cela se fait le plus souvent en créant des sociétés secrètes. Les sociétés secrètes sont créées pour cela, pour être une interface entre notre civilisation terrestre et d'autres races extraterrestres. Et différentes sociétés secrètes ont affaire avec différentes races d'extraterrestres. Je suis très intéressé par la technologie avancée qu'ont développée les Illuminati. Ils ont voyagé en soucoupe durant ce siècle. Des histoires relatent qu'ils ont atterri sur la Lune entre le 18e et le 19e siècle en combinant des fusées antigravitationnelles et des soucoupes. Les Illuminati américains auraient eu des soucoupes très avancées avant la Deuxième Guerre mondiale.
Ce qu'on voit dans Star Trek n'est pas la science-fiction. C'est un projet secret des Illuminati. La fondation Rockefeller a construit des soucoupes propulsées par énergie nucléaire pendant plus de 50 ans. La fondation Rockefeller, voilà qui nous rappelle la sinistre trilatérale dont nous avons parlé dans Les gouvernants secrets numéro 2. La trilatérale et Rockefeller, c'est quelque chose d'extrêmement important parce que cette organisation, cette pieuvre gigantesque, a coquiné, complice des CFR, le Conseil des relations étrangères, toujours contrôlé par Rockefeller, et par les Bilderberg en Europe, c'est tout la même bande. Ces organismes trilatérales, CFR et Bilderberg, sont en connexion directe ou indirecte avec le MJ-12, le gouvernement secret de notre planète, et à l'étage inférieur se terrent les gris. L'ennui, c'est que, nous l'avons vu, il y a des extraterrestres bons, d'autres qui ne le sont pas, etc. Il y a des traîtres à l'espèce humaine qui pactisent avec eux, qui manipulent qui et pourquoi. Ça me rappelle un peu la dernière guerre à laquelle j'ai hélas participé, où il y avait les nazis et les salopards de Français qui collaboraient avec eux. C'était les collabos, ceux que j'appelle aujourd'hui des traîtres à l'espèce humaine, car ils ne collaborent pas avec un ennemi terrestre, ils collaborent avec d'autres. Puis il y a ceux qui s'en foutent de la collaboration, il y a ceux qui s'intéressent au business. Et alors nous avons des individus qui jouent les envoyés, non pas du Seigneur, mais qui, sous couvert de contacts, de rencontres, voire de repas avec la Vierge Marie, avec Mahomet, avec Moïse, etc. Moi, j'ai des relations, ce sont pas les mêmes. À la faveur de ces rencontres guidées par des extraterrestres dont ils sont les messagers, organisent des partous et font participer les enfants. Alors là, j'espère qu'un jour, la justice descendra sur la Terre et qu'on s'occupera d'eux. Laissons cette racaille, laissons cette pourriture. Revenons aux sources. Et les sources, au moins des contacts, à notre époque moderne, c'est George Adamski, aux États-Unis, en 1951. En 1953, je travaillais à Radio Monte-Carlo, et je reçois un jour la visite de Desmond Leslie, qui était un ufologue anglais, un homme charmant, qui venait de publier avec George Adamski « Les soucoupes volantes ont atterri ». Ça, c'est une réédition chez J'ai lu. Alors, j'ai donc appris qui était Adamski. On l'appelait plaisamment le professeur, mais on ne savait pas qu'il n'était pas professeur. Et au départ, on s'imaginait, puisqu'il habitait au Mont Palomar, en Californie, qu'il appartenait à l'équipe des astronomes du Mont Palomar. J'ai voulu me renseigner. Et c'est ainsi que j'ai été surpris d'apprendre que les astronomes, celui qui m'a répondu, j'ai interrogé, m'a dit « Mais non, nous ne connaissons pas d'astronome du nom de Adamski. » Alors je lui ai dit « Écoutez, il y a ou il n'y a pas un Adamski ?» Il me dit « Oui, oui, il y en a un, mais il n'est pas au Mont Palomar, il est au pied du Mont Palomar et il vend des hot dogs. » Des saucisses chaudes. Alors évidemment, léger embarras de ma part, je me renseigne davantage. J'apprends que c'est vrai, mais que passionné de spiritualité, de philosophie et d'amour cosmique, entre guillemets, dès l'instant où, en 1947, le mot soucoupe volante est arrivé, il a prêté une oreille attentive et il a eu raison. Nous sommes plusieurs à avoir fait ça. Et il est devenu, peut-être pas ufologue, mais un contacté. Imaginons cet homme qui, de par son amour cosmique, voyait des frères de l'espace un peu partout, qui voit un engin atterrir, qui l'envoie sortir un individu, une jeune d'apparence, grand, bien bâti, avec de longs cheveux blonds, un space suit, un vêtement collant et des guêtres rouges, puisque ça ressemblait un peu à un vêtement, à un pantalon de golf. Il est bouleversé. Cet être lui dit, par télépathie, nous sommes vénusiens, pourquoi voulez-vous qu'il ait pu en douter? Et c'est là que le mensonge commence, non pas de la part d'Adamski, mais de la part de ses visiteurs qui l'ont trompé. Nous savons bien qu'il n'y a pas d'être pensant sur Vénus, surtout à notre image, 450 degrés à l'ombre, on pourrait faire cuire plus que des pâtes, voyez-vous. Donc, éliminons cette notion de vénusien. Ces êtres de bonne constitution
pacifiques à l'évidence, ont trompé Adamski. Peut-être que c'était... Moi, je me rappelle toujours quand il y a des histoires de contact avec quelque chose qui embarrasse, une chose étonnante que cette jeune femme que j'appelle Manuela, dans certains de mes bouquins, qui me renseigne sur ce qui se passe au Brésil, elle m'a dit, n'oublie jamais que dans les grands cas de contact, de rencontres d'un type et autres, il y a 9 ans sur 10, le germe de sa propre autodestruction. Et l'autodestruction du cas Adamski, c'est l'histoire de Vénusiens qui ne tenait pas debout. Donc, il y a eu manipulation d'Adamski par les extraterrestres. Et puis après, évidemment, la sourde oreille des autorités, etc., etc. Mais son cas est vrai. Nous sommes à Washington, la capitale fédérale des États-Unis, au cimetière de Arlington. Ce cimetière est réservé aux vétérans, aux héros des deux dernières guerres. Il y a même un mémorial au nom des astronautes qui ont péri dans la catastrophe de la navette Challenger. C'est donc des personnalités qui ont été honorées pour service rendu en quelque sorte à la patrie. Il est vrai que George Adamski, ce modeste petit commerçant du pied du Mont Palomar, après son contact, a été reçu par des têtes couronnées en Europe. La reine des Pays-Bas l'a reçu. Il n'a pas été reçu par le pape, mais disons dans l'antichambre, par une porte dérobée. Et quand il est revenu, il avait un paquet sous le bras, ça a intrigué les personnes qui l'ont vu. Il a eu une existence tout à fait particulière. Est-ce suffisant pour être enterré à Arlington parce qu'il a fait la Première Guerre mondiale? La plupart des ufologues ont été surpris qu'il soit enterré comme un héros militaire. La tombe d'Adamski, bien modeste, comme toutes les autres d'ailleurs, la plupart, est dans l'alignement nord de la tombe de John Fitzgerald Kennedy. Kennedy, dont on sait bien qu'il a été assassiné, c'est évident, mais très probablement aussi, pour une raison, une connexion avec les extraterrestres. On pense qu'il a été assassiné, Kennedy, parce qu'il en savait trop et qu'il voulait s'adresser au Congrès et révéler la présence des gris sous nos pieds. Il n'a pas pu le faire. George Adamski lui a tenté de briser le mur du silence. Il est parvenu d'ailleurs, et c'est pour ça que nous lui sommes redevables de beaucoup de reconnaissance. Rani Lukanen Kilde, elle aussi, nous parle de ce complot, de cette conspiration du silence qui continue aujourd'hui. Pour moi, il est presque criminel de n'avoir pas dit aux gens ce qui s'était passé lorsque les premiers astronautes sont allés sur la Lune. Ils ont été suivis par des omnis et des humanoïdes. Et on sait qu'il y a des photographies qui montrent de la vie même dans notre système solaire. C'est une question tellement importante, c'est une question militaire, c'est une question économique, une question psychologique. Imaginez ce que disaient les rapports top secret de l'OTAN en 1964. C'était tellement top secret qu'uniquement ceux qui avaient l'autorisation top secret cosmique pouvaient les lire à l'époque. Ils n'en ont fait que 50 copies, et maintenant ils sont accessibles. La principale raison justifiant le secret et le silence gouvernemental est la question théologique. Cela concerne la religion, car celle-ci s'effondrerait. Par peur d'une panique théologique, religieuse et autres, les autorités paternalistes nous cachent la vérité. Elles nous le cachent, même depuis plus de 2000 ans. Dans les soucoupes volantes viennent de l'autre monde, j'ai étudié les textes sacrés, proto-historiques. Mon confrère et ami Richard Nolan, toujours chez Vaugirard, vient de publier cette étude où il me rejoint parfaitement. C'est depuis très longtemps qu'ils sont chez nous, qu'ils s'occupent de nous. J'ai dénoncé le blackout sur les soucoupes volantes. J'ai récidivé en 1980, en avril, en publiant Contact OVNI Sergie Pontoise, ce contact avec des jeunes gens, etc. Tout le monde sait ça, qui a été vilipendé, que des canailles de la science ont traîné dans la boue, qu'un certain individu a la solde du GEPAN et aujourd'hui du CEPRA
a lui aussi traîné dans la boue en disant canular, etc., annonçant des inculpations imminentes en 1980. Nous sommes en 93-94. Et aujourd'hui, Jean-Claude Bourré, que je dénonçais, car c'est lui que je dénonçais, nous fait un cadeau fabuleux. Merci Bourré. Voilà son cadeau. OVNI, la science avance. Paru chez Lafon, alors vous voyez son nom en grand, et au-dessous, petit, discret, effacé, Jean-Jacques Velasco, le patron du CEPRA. J'avais dit que Bourré était l'homme lige, était le fer de lance du GEPAN. Il est celui du CEPRA. Il l'avait tourné tout ça en dérision, disant que le complot n'existait pas, etc. La preuve que le complot existe, le voilà. Alors pour Velasco, eh bien, ces engins énormes qui ont survolé l'Europe le 5 novembre 1990, c'était des bouts de la fusée soviétique Proton qui retombait sur la figure des terriens. Mais il se fout de nous, Velasco. Voilà un ouvrage, un gros bouquin, OVNI Contact. Franck-Marie a fait un énorme travail. Il a analysé 400 cas, 400 témoignages précieux, rigoureux, qui lui ont été transmis par diverses personnes, évidemment. Et il prouve à l'évidence que non seulement ce n'est pas la fusée Proton de Velasco, mais il y a eu deux survols de la France aux environs de 19h à deux positions différentes, par une série de vaisseaux, dont un géant. Alors pour nous convaincre, si besoin était que des manipulations négatives, des complots, des tractations dégoûtantes existent pour nous endormir, écoutons encore Vladimir Tersitsky. Il va nous éclairer. Encore plus intéressantes que les soucoupes sont les expériences génétiques pratiquées par les Illuminati. Il y a 50 ans, dans leur camp de concentration, les Allemands ont conçu et élevé des hybrides entre l'homme et l'animal. Ils étaient avancés à ce point-là dans leur génie génétique. D'après moi, ce ne sont pas les extraterrestres petits gris qui nous enlèvent. Ce n'est même pas le gouvernement qui fait du clonage. Je veux dire par là que le gouvernement américain a des techniques de clonage qui pourraient cloner vous ou moi à partir d'une simple cellule venue du bout de nos doigts. Nous pouvons même être morts, nous n'avons pas besoin d'être en vie pour qu'ils puissent le faire. Je pense même que le film de Steven Spielberg, Jurassic Park, est une véritable histoire cachée et qu'on a déjà été capable de cloner génétiquement des dinosaures à partir des éléments trouvés dans leurs œufs. Pour revenir aux enlèvements par les petits gris, j'ai le sentiment qu'il s'agit là d'un vaste programme de recherche génétique des Illuminati. Et les petits gris sont des robots biologiques que le gouvernement utilise. Toutes les superpuissances sont impliquées. Beaucoup d'extraterrestres sont également impliqués dans ce projet. Et même des niveaux plus élevés dans la hiérarchie céleste, qui sont en fait les cerveaux et les coordinateurs. Ne nous leurrons pas, les complots existent vraiment avec les extraterrestres. Il y a aussi une connotation avec le nazisme. Ça n'est pas exclu du tout. Je voudrais vous parler très sommairement d'un remarquable ouvrage de Jean Robin, Hitler et l'élu du dragon, l'élu entre guillemets, évidemment. C'était pas un saint, loin s'en faut. Paru chez Guy Trédaniel, un bouquin qu'il faut lire pour comprendre les racines occultes du nazisme, les racines occultes des forces noires qui continuent de corrompre le monde. Alors, ça c'est très important. J'attire votre attention aussi sur le fait que les bons extraterrestres, ou du moins l'une des espèces extraterrestres qualifiées de bonnes, sont associés à des grands blonds. Alors là, évidemment, on entend tout de suite des gens, les grands blonds, mais les nazis, etc., les yeux bleus, mais non, non. Rien à voir avec les nazis, rien à voir avec Hitler, il n'était pas né. C'est au siècle dernier qu'Elena Petrovna Blavatsky, dans son ouvrage monumental en 6 volumes, La doctrine secrète, et en particulier dans le 3e, nous a parlé des grands blonds. Qui étaient-ils? C'était des polariens, des extraterrestres, venus non pas de l'étoile polaire, mais du système solaire de l'étoile polaire, et qui ont enseigné nos très 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 lointains ancêtres, tout en combattant les seigneurs à la face sombre. Mais revenons à aujourd'hui, et écoutons Madame T.
Madame T, ce qu'elle va me dire est tellement important que je ne vous dirai même pas dans quel pays nous avons enregistré son témoignage à visage caché et à voix distordue de façon électronique. Vos recherches personnelles vous ont amené à aborder certains domaines en matière de physique nucléaire et particulièrement l'étude sous un aspect nouveau des explosions souterraines. J'ai été amené par mon travail à me poser la question suivante. Est-ce que les explosions nucléaires sont vraiment nécessaires? Alors, je me suis posé cette question pendant longtemps et j'ai compris que quelque chose ne jouait pas. Il faut bien rappeler qu'il y a environ 80 à 90 explosions nucléaires souterraines par année dans le monde. Dans un site expérimental d'explosions souterraines se crée autour du site de l'explosion une circulation de particules électromagnétiques, cibles électromagnétiques ainsi entretenues. Le géomagnétisme naturel de surface de la Terre qui régénère les zones de haute pression. Ainsi, dévier ces fluides déplacent les zones de haute pression en faisant des catastrophes ou des perturbations dans d'autres pays que ceux où ça se passe généralement. C'est presque une arme à l'échelle planétaire, mais que l'on peut guider, que l'on peut diriger vers telle ou telle région. C'est absolument exact. Qui est derrière tout ça? Nous avons longtemps cherché qui pourrait éventuellement être assez puissant pour influencer un lobby nucléaire aussi important et puissant. Nous avons découvert. C'est une chose très délicate à révéler. Il doit y avoir au sommet de la pyramide une société secrète qui existe depuis la nuit des temps et qui est le grand ordre mystique du Nord. Cet ordre mystique semble être en contact avec des entités supérieures, des sortes de puissances invisibles, éventuellement relayées par des extraterrestres. Cet ordre mystique du Nord va mettre en place sur la planète Terre un gouvernement qui s'appellera Nouvel Ordre Mondial. Ce Nouvel Ordre Mondial va petit à petit prendre la place de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies actuelle. De telles révélations bousculent un peu les idéaux démocratiques. Est-ce que nous devons nous considérer comme les jouets de cette manipulation? Est-ce qu'il n'y a rien à faire? Est-ce que nous devons tout accepter? Je crois que non. Je crois qu'il faut être vigilant. Si vous le voulez bien, nous allons retourner à Washington. Nous allons voir ensemble ce mémorial étonnant, le mémorial dédié à Abraham Lincoln, qui fut l'un des très grands présidents des États-Unis d'Amérique, puisque sous son mandat a commencé et fini la guerre de sécession, et c'est à lui que l'on doit d'avoir aboli l'esclavage. Et c'est par un assassinat qu'il perdit la vie, comme un autre président des États-Unis, John Fitzgerald Kennedy. Je rappellerai une phrase très connue de Abraham Lincoln. Le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple, ne doit pas périr de la terre. Alors est-ce que c'est, on va dire que je rêve, est-ce que c'est un signe que nous devons entendre comme ayant été jeté sur notre ligne de temps par un illustre personnage qui n'était pas lui-même au courant de toutes ces choses mystérieuses, de ces complots, de ces contacts avec des êtres, mais il est bien question d'un gouvernement du peuple par le peuple pour le peuple qui ne devra pas périr. C'est la lutte du pot de terre contre le pot de fer. Mais moi j'ai une arme. Et nous sommes un certain nombre à avoir une arme redoutable. C'est ça, voyez-vous,
la faculté d'écrire. Et quand je divulgue une information importante, elle est déjà sous clé, en bonne position dans deux endroits en France, je l'ai dit dans le premier vidéocassette, et dans cinq pays étrangers. Je peux révéler l'un de ceux qui détenait ces informations, c'était mon ami André Georget à Clermont-Ferrand, un homme remarquable qui est mort depuis peu de temps. Il écrivait dans la revue Prisme, et cette cassette lui est dédiée.